Salut, c'est Nouveau Joe. Donc voilà, je me trouve actuellement sur la place de spectacle, là où j'étais hier, mais avec la scène qui a bien avancé. On voit sur le côté les haut-parleurs qui ont été mis. Il y a également la lumière qui vient d'être installée. Ce n'est pas encore fini, il y a encore beaucoup de monde qui bosse dessus. Là on voit, hein, il y a encore des personnes qui ramènent tout ce qui est matériel pour les branchements. Je suppose encore tout ce qui est pyrotechnie n'est pas installé. Donc voilà, on voit également les haut-parleurs qui ont été installés ici. Et je vais vous faire un petit tour. Voilà, je vous ai parlé hier, les 4000 chaises mises à disposition pour les 3 jours de spectacle. Donc environ 12 000 personnes qui seront là. 15 à 20 000 personnes si on compte ceux qui vont participer au niveau du festival La Lumière dans les rues. Donc on va le laisser passer. Voilà, ça se prépare tout doucement pour demain, donc vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet. On vous attend, je vais voir s'il y aura possibilité de voir les tests. Je ne suis pas sûr parce qu'a priori, il y a eu un petit peu de retard. Donc voilà, je ne veux pas non plus les embêter, c'est pas le but recherché. Donc voilà, vous pouvez voir les avancements petit à petit de cette organisation. Beaucoup de préparation. Moi-même, j'avoue que je remarque maintenant, vu que c'est la première année que je suis avec eux, que c'est énormément de travail. On se rend pas compte. Ça fait 11 ans que je viens pour voir le spectacle, mais le fait de mettre la main à la pâte, c'est complètement différent. Donc voilà, si je peux, je ferai une petite vidéo avec leur participation des différents essais. Si c'est pas possible, bah, je veux pas les embêter non plus. En tout cas, voilà, on vous attend vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 juillet, Furdenheim, Festival Art et Lumière et Vent d'Est. N'hésitez pas, je vous ai donné les numéros de téléphone. Allez sinon sur la CSL Furdenheim, vous y trouverez tous les coins où vous pouvez acheter vos places pour le spectacle, y compris le déroulé des différentes activités et des différentes participations dans le village. N'hésitez pas, on vous attend. À très bientôt, à plus, ciao ciao.